dont nous sommes ou bien le nombre que nous faisons maintenant. Dès le début continuons. Moi, ça ne me gêne pas du tout. Eh, on va te renseigner une fois. Si vous savez les conditions dans lesquelles j'ai prêché. Non, mais tout. Si tout m'a dit, non, mais non, mais Dieu, j'avais prêché. Pasteur, yes, sir. L'église est à 18h. Yes, sir. Et la première, c'est pas bien ça, il faut interpréter. Ah. Ou bien, il y a des gens qui ont besoin de qu'on les interprète, donc. Non, on est entre nous. Si tu as besoin qu'on fasse ce qu'on a, il faut lever juste la main pour qu'on sache. Tout le monde comprend français? Non, je dirais non, parce que je connais une personne au moins. Non, si tu ne connais pas français, c'est pas. Faut pas être gêné. C'est comme si on nous amène. Si le père commence à parler anglais maintenant, et on dit qui connaît anglais, on va lever la main. On ne connaît pas, c'est bon, on n'est pas frustré, non. Ça, là, ça ne veut rien dire. On dit à 18h. La première personne qui vient, ça, 9h. Et peut-être vous êtes juste deux. Et toi qui dois prêcher, et peut-être un interprète. Ou bien des fois l'interprète ne vient pas. C'est un roi de l'église qui vient. Et vous êtes là à chanter. À chanter des 18h. Des fois quand je vous vois faire ici, et vous êtes aussi dans le processus. Les gens ne viennent pas vous chanter ce nom. C'est ça. Moi aussi j'avais fait ça. Mais aujourd'hui maintenant, l'église est en train de grandir jusqu'à 400-500. Donc, même quand si personne ne venait, on était entre nous là. Moi j'allais prêcher. En ce moment-là, le micro qu'on utilise là, il faut tenir le bas. Parce que les lignes vont tomber. Micro les gens, mais non mais tout. C'est-à-dire que tu prêches et toi-même tu utilises une force comme ça. Mon frère, tu es en train de suivre les gens parce que c'est le message qui te fait sur mon frère des doigts de là, mais micro le vieux raison à nos détails. Et des frères, tu es en train de prêcher. Mais le micro là, la pile tombe pas. Bon, pile là, et tu prends une place comme ça. Ah ben, pile à côté le micro. Des fois, il n'y a pas pile. Pile là. Et tu commences à crier pour prêcher. On dit à quoi d'autre tu peux le voir. Là, c'est bon, le cadre c'est bon, les gens c'est bon. Non, mais là, non. Moi, je ne suis jamais. Ne frustrez pas ça là. Le message que Dieu m'a inspiré à prêcher pour 100 personnes. Pour 1000 personnes. Je vois une seule personne, je lui dis ça. Parce que je me prépare. Pour les grandes choses. Parce que vous êtes très grands ici. Je ne vois que des hommes riches. Moi, je ne vois que des femmes riches. Je vois des gens nantis. Donc, la manière dont je vais prêcher pour vous, quand les conditions des riches seront établies physiquement, donc je commence déjà, moi aussi, par m'attaquer. Moi-même, je commence par m'attaquer comme ça des riches. C'est pourquoi je vous prêche comme des riches. Parce que vous êtes déjà enceinte de la richesse. Là, vous allez accoucher. On va accoucher. Les gens ne savent pas. Les gens ne savent pas. Donc l'argent. Vous saurez ça. Nous saurons ça. Attendez encore. Je vous donne encore 2 ans. 3 ans en plus. J'écris ces 3 ans. Alléluia. Amen. Dis à celui qui est à côté de toi. L'éclipse solaire. Donc l'éclipse solaire. C'est le thème de ce soir ça. Voici quoi si tu dis. Fidèle Moïse. L'éclipse solaire. L'éclipse solaire. Oui, 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 oui,
Les médias sont là, on va lire dans 2 Corinthiens 13, verset 11. Ok. 2 Corinthiens 13, verset 11. L'église solaire. Oui, Wilson. 2 Corinthiens 13, verset 11. Oui. Nous offrons chaque matin et chaque soir des holocaustes à l'Éternel. Nous brûlons le parfum aux différents. Nous mettons les pains de proposition sur la table. Sur la table pure. Et nous allumons chaque. Non, 2 Corinthiens 13, verset 11, ce n'est pas ça. Oui. Amen. Au reste, soyez dans la joie. Perfectionnez-vous. Consolez-vous. Ayez un même sentiment. Vivez en paix. Et le Dieu d'amour et de paix sera avec vous. Amen. Amen. Au reste, frère, nous n'avons mis de colère. Soyez dans la joie. Perfectionnez-vous. Mais là, consolez-vous. Ayez le même sentiment. Vivez en paix. Et le Dieu d'amour et de paix sera avec vous. Et le peuple béni de Dieu dit amen. Dans tous les épîtres de Paul, souvent de la paix. La paix. Quand il commence ses lettres, il dit, je vous salue au nom de Jésus, que la grâce de Dieu soit avec vous. Et il finit ses lettres avec la paix. Paul, disciple de Jésus-Christ, c'est ce qu'on appelle la souffrance. C'est ce qu'on appelle l'inquiétude. La paix, c'est un sentiment de quiétude, de tranquillité qui t'anime quand tout semble aller bien. Ou bien quand tout va bien. La paix. C'est comme si Paul ne connaissait que la paix. Et pour FIFA, ou bien chaque fois qu'il vivait des situations de paix. Et non, Asito, FIFA, c'est pourquoi il écrit ses lettres souvent. Pour rendre le contexte, pour situer un peu le contexte. Et maintenant, deuxième Corinthien, écrit en l'an 57 et 56. Après Jésus-Christ, Jésus va écouter. Et chaque fois que Paul allait dans une église locale, Paul y a gondé même, son autorité était contestée. Et il y avait toujours des disputes. Bon, et une situation qui porte à croire que Paul. Voici qu'on est parti, c'est une situation qui laisse croire que les gens que Paul. Bon, la situation est en paix. Pour ceux qui ne sont pas là quand il écrit les choses, Paul vivait des situations très difficiles. Paul allait dans les endroits où on le lapidait, on le frappait, il ne trouvait pas à manger. Il vivait des situations difficiles. Il portait même une plaie, une maladie qui ne se guérissait pas. Mais pourtant il était loin. À moi, ça me dit donc. Ce soir, je nous dis, je veux parler au Paul. Je suis conscient que tout le monde ne pêche pas. On le vit dans tout le monde, mais il y a des pagayeurs. Mais les dis moi non, le nom de ta parole. Il y a des loups ravisseurs. Et là, au loup le mime. Il y a des n'importe quoi dans l'église. Nous sommes les bino mime la mime. Mais à moi, je ne parle pas de ceux-là. On le voit dans le Je parle au Paul. Timothée qui souffre
dans le Seigneur. Paul, je veux parler ce soir. Il pleure. Et nous y avons. C'est eux, j'appelle les porcs. Et les porcs. Les porcs. C'est ceux qui ont des avenirs flous. Mais nous nous connaissons et nous aimons beaucoup de les grandir. Mais pourtant, ils pratiquent la sainteté. À moi, et pas nous, nous l'avons dit. Mais ils ne savent pas de quoi sera fait leur avenir. À moi, et pas tous les soins et ton entier. Les porcs. Ils ne touchent pas aux fétiches. Et maintenant, les pauvres, c'est ceux qui font des commerces. Ça ne marche pas. Mais pourtant, on le dit. Viens, prends ceci pour mettre dans ton commerce. Et ça va marcher. C'est eux, j'appelle les pauvres. Et ils disent non. Entre les cuisses. Et là, ça te tient. Mais à mon papa, pour respect que j'ai pour Dieu, non, si c'est de l'autre bas ou tout, je ne vais pas le faire. Non, bloua. Et tu reviens à la maison. Bon, allez, bloua, bloua. Ton mari dit, chérie, je suis sorti ce soir. Ah, donc, madame, je suis sorti aujourd'hui, je n'ai trouvé rien à faire. Non, bloua, dis-moi, bloua. Et toi-même, tu te rappelles. Bloua, tu secoues la tête. Tu commences par la bloua. C'est à eux que je parle ce soir. Et là, vous l'avez dit. C'est eux mes porcs. Et là, vous voyez, porcs, je l'ai. C'est Dieu. Les porcs, c'est ceux qui trouvent des bonnes opportunités. Et là, vous voyez, vous avez l'air. Pour partir dans notre église. Vous voyez, mais dis non. Daddy, s'il te plaît, faut pas que les gens te voient. Il faut te cacher ici. Les gens viennent te dire, nous avons vu le père commettre une bêtise. Tu dis jamais. C'est faux. Le père n'a jamais fait ça. Je connais mon père. C'est eux les porcs dont je parle. Les porcs. Pendant que les gens viennent avec 10 livres, les gens viennent avec 7 000, les gens viennent avec 1 000 francs, c'est un peu.
Et tu as même honte. Oui. Des fois tu caches. Oui. Tu fais un peu le Seigneur. Mais tu viens de faire ça. Voilà, c'est là. Et tu t'en vas. C'est le port. Pour ignorer. Il dit que la situation est difficile. Mais c'est elle qui trouve la manière de réconforter les gens. Ça ne va pas chez eux. Et les gens viennent vous voir. Pour dire je vais abandonner. L'église ne veut pas. Toi-même tu n'as pas trouvé à manger. Tu dis ça va aller. Je pense que c'est le port. C'est à vous, je pense. C'est la boule. Le Paul, c'est ceux qui acceptent la moquerie. C'est lui que nous mettons à voler. C'est la moquerie. C'est lui que nous mettons à voler. Pour dire, vous continuez toujours pas à aller là-bas. Vous continuez toujours pas à aller là-bas. C'est à vous, le Paul, que je parle ce soir. Celui qui est pauvre, il ne trouve pas une situation réduisante. Il ne vit pas une situation pour la situation. Et non, moi, c'est quoi le nom, mais c'est lui qui reconforte les gens. C'est lui qui dit ça va. Et aujourd'hui, ce soir, je te dis ça va. Je suis pauvre. Et toi aussi tu es pauvre. Nous sommes des pauvres. C'est pourquoi je parlais de l'église solaire. Mais j'aimerais te dire ce soir, l'église ne dure pas éternellement. L'église a une durée et une fin. Ta situation aussi a une durée. Tu as connu le début, tu connaîtras la fin. Une durée.
aura une fête. Et donc, il est une fête. Bon, est-ce que tu peux me dire amen? Amen. Alléluia. Est-ce que tu peux me dire amen ce soir? Amen. Alléluia. Nous ne sommes pas là. Philosophia. Pour te condamner. Ils étaient en train de poursuivre le Seigneur. Et là, non. Et ils étaient en train de poursuivre le Seigneur. Quand je me rappelle de cette dame-là, on a dit, renie le Seigneur. Renie le Seigneur. Où nous allons te tuer. Elle dit non. Je ne vais pas renier le Seigneur. Et elle était enceinte. De presque, elle était presque à terre. On l'a laissé. Et Dieu est au on est en train de la torturer. Et jusqu'à ce qu'elle a accouché. Et on l'a amené dans la fosse au lion. On a dit renie le Seigneur. Où tu seras dévoré par les lions. Elle dit non. L'enfant qui vient de naître. Et qui pleurait. Devant elle. On a jeté l'enfant au lion. Et les lions ont dévoré l'enfant. Quel père. Maman. De porter sa grossesse. Et de voir les lions manger ça. Et ensuite, elle-même, on l'a jeté dans la maison. Et les lions l'ont dévoré. Et elle était morte. Et vous? C'est les porcs. Paul l'aîné. C'est les porcs. Paul l'aîné. Les porcs. Paul l'aîné. C'est cet homme. Oui, t'as oui, ce terreau de la foi. Oui, avant d'en ici notre homme qui avait 80 années. Et donc, oui. Et on est venu le voir. Oui, bah, oui. Pour dire, est-ce que tu vas laisser le Seigneur? Alors, il dit, jusqu'à mes 80 années. Le Seigneur ne m'a pas abandonné. Mais toi, quand je suis proche de la mort, et je vais l'abandonner. On a dit, on va te brûler. On a fait le bûcher. Et on a dit qu'on va l'attacher. Il a dit non. On ne va pas m'attacher. Lui-même, il est monté sur le bûcher. Il a dit, mettez le feu. Je veux faire mourir pour le Seigneur. On a consumé. Et il était là. Et il était en train de chanter. Jusqu'à mourir. Les porcs. Les porcs. C'est les frères. Oui, non, village. Je pense qu'ils sont de la Roumanie. Bon, mon Roumanie, si tu me veux écouter. Et pour pouvoir évangéliser. Autant de l'esclavage. Eux-mêmes, ils se sont vendus esclaves. Et on les a achetés. Pour qu'ils puissent pénétrer dans le camp. Et aller évangéliser. Il y a des gens. Dieu ne vous répondra pas. Il y a des chances. Dieu ne vous répondra pas. Dans certains domaines. Tu peux être en train de chercher enfant. Et Dieu ne va pas te donner l'enfant. Peut-être des fois. Parce qu'il voit que l'enfant va te créer un problème. Ézéchias. Ézéchias. Il était proche de la mort. Dieu a envoyé le prophète lui dire, et roi, tu vas mourir. Il est allé devant Dieu pour dire à Dieu, moi je ne peux pas mourir. Regarde ce que je fais pour toi. Regarde. Dieu, bon. Que je vais te laisser vivre pendant 15 ans. Et il a encore envoyé le même prophète pour aller lui dire, Dieu a écouté tes prières. Ézéchias a donné naissance à Manassé. Ézéchias a dit Manassé. Et Manassé, Manassé a été le roi le plus terrible. Et oui, il a reçu un fort.
le roi qui a ramené les fétiches, le roi qui a commis l'idolâtrie, et il est devenu une référence dans la Bible. On dit quel roi a commis de bêtises comme le roi Manassé. Dieu savait que si Ézéchias restait en vie, il allait donner naissance à Manassé. Et sa descendance va devenir une pourriture. C'est à cause de ça que Dieu voulait le faire partir. Mais il a mis les alliances dedans. Et il est resté en vie. Et lui-même, il a commis une bêtise après. Et Dieu a dit, je vais faire venir la tribulation. Mais ce ne sera pas en ton temps. Ce sera au temps de tes enfants. Et c'est à ça dit, comme ce n'est pas mon temps, au temps de mes enfants. Moi, ça me va. Lui-même, il a ramené une malédiction sur sa descendance. Et il a donné un enfant, il a fait naître un enfant qui est devenu un Satan après. C'est ces choses-là que Dieu voyait, disait, ah, je vais le faire partir. C'est pour vous dire, il y a des choses, Dieu ne va pas exaucer pour vous. Traverser l'éclipse. Allô, oui, tu vas trouver ça bientôt. Mais ce ne sera pas dans l'année prochaine. Non, tu vas finir ça cette année. Les bonnes choses de l'éternel sont là. Toi, tu n'as pas trois têtes, tu n'as pas deux têtes. Tu as une seule tête comme ceux qui deviennent présidents. Les gens se moquent de toi. Des fois des camarades ou bien des amis phares te disent qu'il faut trouver mon meilleur mot. Il faut trouver quelqu'un qui sera prêt d'aider, qui sera prêt de donner un peu d'argent. Non, c'est juste qu'il va coucher avec toi. Tu as dit c'est pour
gratuit. Il regarde du sexe gratuit, c'est comme nous donner le sexe gratuitement. Ok, et là, on nous et il dit non. C'est pour ma femme. Ah, si tu es tombé, c'est pour ma femme. Si tu es tombé, peut-être qu'il n'a pas une bonne odeur. C'est pour ma femme qui ne trouve pas de bon savon pour se laver. C'est pour ma femme qui ne trouve même pas une bonne pommade. Et tu vois des peaux lisses dehors. Tu vois des peaux brillantes. Et des peaux séduisantes. Et tu dis que c'est la peau qui a des rides de ta femme. Je voudrais te dire que tu es un pauvre. Non, Paul Wemi. Tu es un pauvre. Paul Wemi. Paul! Il est différent des autres. Il était différent. Dieu ne l'a pas appelé au même moment que les Barthélemées. Je ne l'ai pas appelé au même moment que les Judas. Mawena, Dieu même lui pourvoira encore. Mawena, si c'est lui-même
Paul est. Ne nous inquiétons pas. Quand il y a un début, il y a une fin. Et les gens pleurent. Les gens pleurent. Il y a des femmes qui ne dorment pas. Il y a des hommes qui ne dorment pas. Les nuits sont faites de pleurs. Les nuits sont faites de pleurs. Pendant que les gens ronflent, ils sont là. Ils ne trouvent même pas le sommeil. Ils ne savent pas quoi faire. Des fois, c'est madame qui est malade. Il n'y a même pas 100 francs pour acheter para ou bien pour acheter à morcier. Pour que la douleur puisse diminuer. Il n'y a pas ça. Mais le lendemain, depuis tu te prépares pour venir à l'église. Et tu danses. Comme, tout comme s'il n'y a rien. L'église va passer bientôt. Que les gens ne te voient pas triste. Il faut qu'ils te voient content. C'est pourquoi ce qui caractérise l'église. La différence, c'est que ce que tu faisais avant que l'église ne vienne. Je suis venu encourager mon pauvre. Je suis venu encourager. Je suis venu encourager. Je suis venu encourager. Je suis venu encourager. Les pauvres, c'est ceux qui acclament les témoignages des gens. Mais dans leur cœur, eux-mêmes, ils n'ont pas encore trouvé leur témoignage. Les pauvres, c'est eux qui pleurent pour dire jusqu'à quand, Seigneur. Mais pourtant tu célèbres le Seigneur. Et pourtant tu célèbres le Seigneur. Les pauvres, ils voient certains qui vivent une vie de péché. Mais c'est eux que Dieu bénit tout le temps. C'est eux que Dieu bénit tout le temps. C'est eux qui viennent faire le grand témoignage. Pendant que ton enfant vient témoigner, on dit qu'il a le bac avec peut-être mention passable. Celui qui couche avec toutes les filles, ou bien la fille qui couche avec tous les garçons, il vient dire Dieu a écouté mes prières et moi j'ai eu mention très bien. Tu acclames. Mais tu dis comment, Seigneur, pourquoi je préserve mes filles pour qu'elles ne rentrent pas dans l'impudicité? Et tu les laisses. Et tu vas donner la bourse à celle-là qui court donc en or.
acheté des mèches. Pour séduire encore d'autres hommes encore. Pendant que ma fille a fermé ses cuisses. Ouais. Mon frère, tu es un porc. Est-ce que tu peux taper ta poitrine? Je suis un porc. Acclame le Seigneur. Il y a des gens qui recouvrent des grâces. Et toi, tu es en vie, mais. Tu jeûnes, tu pries. Ton ciel est fermé complètement. Tu essaies tout. Mais rien ne marche. Et des fois, ça devient un challenge pour toi. Et tu regardes en l'air. Et tu dis, mais quand c'est comme ça. Seigneur, je ne vais pas t'appeler. Quand tu es en train de dire ça, les lames courent. Allô, mon nom, that's not why. Les lames courent. That's not why. Et tu dis, je ne vais pas t'abandonner. Non, je ne vais pas t'abandonner. Non, je ne veux pas t'abandonner. Non, je ne veux pas t'abandonner. Même si je ne trouve pas manger. Et non, maintenant, toi, regarde ma femme. Oh, assis-tu. Regarde mes enfants. Oh, budget. Oh, Seigneur. Ah, plus non. Je ne vais pas t'abandonner. Non, je ne veux pas. C'est difficile pour toi. Et ben oui. Mais je sais. Oh, tout. Qu'il y a un Dieu. Non, pas où est-il. Quand il envoie sur mon choix. Et là, il sait. Quand on essuie les larmes. C'est jusqu'à la quatrième génération. Il y a des situations qui nous abattent. Et on se demande, est-ce que Dieu existe vraiment? Est-ce que Dieu existe vraiment? Il y a des gens peut-être ici. Si je vous dis, vous croyez à quoi maintenant? Il m'a dit, moi-même je viens. Le roi dit au moment. Il va se rappeler. Frère, c'est malgré moi que nous disons ça. C'est malgré moi que nous disons ça. Parce que c'est difficile. C'est difficile. Et c'est difficile. Des papas qui sont devenus des vauriens dans leur famille. Des mamans qui sont devenues des n'importe quoi. Nous prenons dans leur famille. Nous prenons de tous les et ils sont là. Et on prophétise pour eux. On a dit ça va changer. Mais rien ne change encore. Des fois, on prophétise à celui qui est à côté de toi. Et on te laisse. On prophétise à celui qui est derrière toi. Et on te laisse. C'est comme si tes besoins ne sont pas importants pour Dieu. Et des fois nous disons que l'homme de Dieu sait avant de faire. Et l'homme de Dieu sait avant de faire. Il ne veut pas prophétiser pour nous. Il ne veut pas prophétiser pour nous. Il ne veut pas prophétiser. Il ne veut pas prophétiser. Certains n'ont pas de soutien. Ils se débrouillent. Ils ont des soucis. Ils regardent à gauche. C'est le vent. Ils regardent à droite. C'est le vent. Il n'y a personne pour les aider. Ils n'ont rien. Ils se battent pour avancer. Ils se battent pour avancer. Des fois, sans trouver à manger. Tu peux voir certains venir jouer les instruments. Et c'est à la fin. Ils vont dire, est-ce que je peux trouver de l'argent?
l'argent pour manger, est-ce que je peux trouver? Ça dit ils enlèvent la honte, là ils enlèvent ça. On dit ça que le Seigneur, il te voit. Il voit tes larmes. Il te voit tes larmes. Ton cœur sait. Ton cœur sait. Ton cœur sait. Il y a des gens, certains, leur âge avance. Mais les années sont toujours les mêmes. Ou bien même en grandissant, ça devient limpide. Ça devient pire. Ça devient pire. Ça devient pire. Ça devient pire. Je voudrais t'encourager ce soir. Sèche-t-elle. Oh, non, sur la bio, sèche-t-elle. Non, sur la vidéo. Dieu m'envoie ce soir. Non, c'est de paradis. Comme une réponse. Si, aussi ton est. Comme un consolateur. Il me l'enfant, mais. Pour dire. Bon, alors. Tiens bon encore, papa. Je me mets à chanter. Bon, on dit, il n'a pas dit. Et
Edo. Que tu connais. Edo. Que je sombre. Garde-toi.
car de toi, se moque de toi, de ta condition. Laisse-les, ça fait mal, je suis d'accord. Mais, ce n'est pas la fin. 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 Dis à deux personnes, ta fin n'est pas arrivée. Ta fin n'est pas arrivée. Tu vas tout le voir. Ta fin n'est pas arrivée. Ta fin n'est pas arrivée. Et Dieu, il le fera encore. Souviens-toi de prier. Souviens-toi de prier. Souviens-toi.
souviens-toi de prier, souviens-toi de prier, souviens-toi de prier.